Donc ça commence avec une cinématique. Les vidéos ont l'air de bien tourner hein, sur celui-ci. Hein. Je l'espère, on verra bien. Je crois que c'était le cas dans le premier Clockwork Knight. La vidéo de départ marchait bien, puis c'est après que ça s'est dégradé. J'espère que ce sera pas le cas. Donc on se retrouve sur le second opus. Celui-ci était sorti en 95 en Europe. Enfin, en même temps, partout. Fait par Sega, jeu de plateforme, sorti seulement sur Saturn. Il fait suite directement au premier Clockwork Knight, parce que si vous en rappelez de la fin du premier, on avait sauvé la princesse Chelsea, sauf qu'elle se réveillait pas. Et ça s'était arrêté là, quoi. Donc on va reprendre à ce moment-là, et puis continuer notre aventure avec Pepe Rucho, et parcourir différents niveaux jusqu'à essayer... Enfin, vous allez comprendre, il y a l'intro, hein. Enfin là c'est plutôt une cinématique d'intro, mais la vraie introduction de l'histoire sera après, quoi. Bon, grosso modo, vu que j'ai commencé à le dire, elle va encore se faire kidnapper, voilà. Salut la petite pelle, comment ça va? Et salut Tevania. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu ce second Clockwork Knight. En tout cas, normalement, c'est le dernier, quoi. Enfin, il n'y a pas de 3, donc l'histoire devrait se finir là-dessus. Et après, je sais pas, niveau difficulté, si c'est chaud ou pas, en tout cas, bon, pire, je ferai une save state à chaque début de niveau, parce que je sais plus comment ça se passe au niveau des continues, je suis vraiment pas cherché d'infos complémentaires là-dessus. On verra bien. Ouais, c'est original comme intrigue, tu m'étonnes. Je sais pas trop quoi faire. Ah, elle se réveille pas, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le 2 secondes? Bon, elle se fait kidnapper encore, ok. C'est vrai que c'est un peu abusé, quoi. Sympa la petite vidéo, bon ça a dû prendre la moitié du CD déjà, mais bon, peut-être pour ça que le jeu a pas beaucoup de niveaux également. Là, je savais pas que c'était aussi long quand même. Ah bon, profitez hein, c'est pas, je pense pas qu'on le voit souvent ça. Je sais plus comment il s'appelle, ah, j'ai pas noté là, le nom de du deuxième joueur. On va dire Pepe Rucho 2. Hein. Ça fera l'affaire. Donc c'est pareil, hein, on va sans doute se balader encore dans des univers grands, assez grands. Les chambres, des choses comme ça, ça va être assez rigolo. J'ai testé un petit peu, hein, le début, c'est le même gameplay. Hein. J'ai pas trouvé de nouveauté, alors peut-être que ça va venir après. Mais au niveau du gameplay du chevalier, c'est la même chose. Hein. On peut donc courir, utiliser sa clé pour frapper ou alors ouvrir si on tapote le bouton. Etc. quoi. Ah, peut-être que c'était un résumé en fait là. Ça c'était la fin du premier ça. Ça c'était le boss final là du premier ça. C'est assez étrange d'ailleurs. Ça s'arrête là. Alors ça c'est, je sais pas, un petit bug de chargement, c'est pas très grave, ça va disparaître. Alors c'est peut-être là qu'il va falloir que je commence à, hop, à enlever le gain. Enfin, mettre le son un peu plus fort. Alors il y a un cheval, je sais pas si on aura un cheval également. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les options vite fait? Je sais plus. Ah oui, on peut choisir. Alors, je vais mettre le max au niveau du point des vies. Et le reste on s'en fout, je vais laisser en normal. Parce que je crois que si on se met en facile, on n'a pas tout. Puis j'ai envie de le faire en normal. Voilà, donc le son du jeu est vachement bas, mais normalement c'est un peu... C'est au même niveau pour vous, à peu près. Mais chez moi c'est vraiment bas, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont branlé au niveau du mixage, ou alors c'est l'émulateur qui le fait mal. Donc ça c'était le boss final. C'était le boss final là qui nous attaquait avec les pinces. Donc c'est hyper simplifié par contre. On se souvient que j'avais un petit peu galéré, hein. Je perdais des vies là, contre lui. C'est vraiment pour faire office d'intro
Et ensuite on va enchaîner quoi. Voilà, là faut éviter cette cartouche et en fait là il va s'empaler tout seul sur les crayons et là il est mort. Donc vraiment vraiment simplifié quoi. Voilà, je me prépare parce qu'il va y avoir une cinématique, donc il faut que je remette le gain. Merci. Donc voilà, il y a des chauves-souris qui sont sorties qui ont kidnappé Chelsea. Voilà, ça continue comme ça. C'est super bref, quoi. Ils ont trouvé un scénario, mais en 2 secondes, hop, c'est bon. Et donc du coup, on va reparcourir des pièces pour aller la retrouver, quoi. Attends, est-ce que ça va enchaîner? Ok, c'est bon. Alors peut-être que quelquefois j'ai oublié d'enlever ou de remettre le gain. Au pire, sur la VOD, je vais ajuster ça puisque j'enregistre le son du jeu et la voix en séparé. Mais sur le live, par contre, je pourrais pas faire grand-chose si j'oublie, quoi. Enfin, faudra me le dire, mais... Ouais. Vous en rendrez peut-être pas compte non plus. En tout cas, c'est parti. Donc on dirige le petit chevalier. Donc on peut courir en faisant 2 fois en avant. Si on tapote, comme je disais, on fait tourner la clé, la Keyblade. Si on laisse appuyer et qu'on va sur un objet, on peut les ramasser pour les lancer. On voit que c'est les mêmes ennemis que dans le premier. Alors, ça fait vraiment suite. Mais bon, voilà. Peut-être qu'ils auraient pu faire les deux en un seul jeu. Et que par manque de place, ils n'ont pas pu. Je sais pas. On va voir s'il y a des surprises quand même par rapport au premier. Je m'en rappelle un peu, quoi. C'est toujours aussi joli. Attends, ça on peut le... Hop, faire monter pour faire un escalier. Hop, on va monter. J'ai juste fait le premier niveau. Et... Ah oui, les capsules là, ou les jetons, je sais pas ce que c'est là. Ça faut les récupérer pour faire un bonus stage sur la fin. Et je crois que c'est là qu'on peut avoir des continus. C'est casque rouge ou casque bleu, là, je m'en rappelle plus. Un des deux, bon de toute façon on va se dire que c'est le plus compliqué à avoir. Attends, ça j'aimerais le péter juste devant. Dedans il y a des bonus, merde. Attends, c'est assez chiant à manier. J'ai chopé tout ça là. Ah bah voilà, bravo. Le piège à con. Bon ok, bon je refais plus là le coup du temps là. On a combien de temps là? 6 minutes là pour faire tout le niveau. Joli fail, ouais, c'est clair. Alors, les cartes à jouer, ça, c'est un truc que j'ai lu. Apparemment, c'est des choses à collecter. Il y en a... Bah, il doit y avoir tout un jeu de cartes à travers tout le... Bah, tout le jeu, quoi. Je sais pas à quoi ça sert après, mais... Bon, il n'y a pas... pas lu d'histoire de bonne fin ou de mauvaise fin. Je pense pas que ça soit... non plus très utile. Hop. Ah merde, putain, bah du coup j'ai raté le point de vie. Contre là, je suis invincible. Faut aller vite, hein, parce que j'ai l'impression que ça tombe. Ouais, ça tombe au bout d'un mois. Hop. Ah, voilà, ça s'est pris. Non, putain, le con. C'est pour remettre. Ouais, mais je vais faire gaffe parce que j'ai pas envie de tomber. Oh, on descend. Curieux ça. Oh! Quoi? Attends, je peux ramasser des trucs au fond? J'avais un sapin là, ou je sais pas quoi, j'avais un arbre. Marrant. Ouais, c'est vrai, il y a que 6 mois de différence entre le premier et le second. C'est pour ça, ça fait vraiment. T'as l'impression qu'ils avaient déjà fait le jeu, sauf qu'ils l'ont coupé en deux par manque de place ou alors pour se faire du pognon. Ça peut être ça aussi, hein. Évidemment. Là aussi c'est rebelote là, par contre je vais pas me faire avoir. Attends, déjà ça je vais le péter là. Capsule. Putain. Je
crois qu'il en faut 10, un truc comme ça. Merde, oh le con. Bon, à gauche, je pense qu'il y a rien, j'ai pas envie de tenter. Je perds trop de temps non plus. Et à droite, là, il y a la même chose que tout à l'heure. Sauf que là, je sais pas. Je peux me faire baiser deux fois quand même. Hein. Ouais, je vais juste reprendre. Ouais, là, c'est pas mal. Reprendre les capsules. Non! Bon, tant pis, hein. Il y en a une qui reste, mais c'est pas grave. Donc, ça, je peux les prendre. Il flotte à moitié quand même, hein, le perso. Hein. Quand il saute, c'est assez particulier, quoi. Là, c'est marrant, ce petit tour, là, 90 degrés. Je sais pas s'il y avait des trucs comme ça sur le. C'est bon, on a fini. Putain, c'était quoi déjà le truc? Attends. Vraiment, ça marche là déjà? Faut faire le C, c'est ça? Ah, d'accord, moi j'étais pas du tout. c'est un DLC, un add-on. C'est un peu ça, quoi. Attends, y'a pas de cinématique là, non, c'est bon. Donc là, je fais une save state. Ah. Cheval. Putain, bah d'accord, on est sur le cheval. Ah bah ça c'est nouveau ça. Ouais. La vache par contre. Oh non mais là ça me rappelait... Ça va me rappeler Donkey Kong Country là. Putain c'est pas... C'est pas ce que je préfère quoi. Ah c'est pas mal fait là, ils vont dans le fond. Con, d'accord, bon, on va aller en avant là. C'est rigolo ça. J'ai trop peur qu'il y ait un trou hein, par contre. Casse-toi toi. Attends mais j'envoie la tête. Ah mais on peut aller au fond. Oh putain, il y a plein de capsules. On va au fond. Gâche. Oh la vache. D'accord. J'ai pas vu, il y avait des flèches pour choisir son rail. Ça c'est cool. Là c'est pas mal fait le petit effet quand on change. Quand on va dans le fond. Je me suis fait toucher ou pas? Ah non, j'ai toute ma vie. Comment ça se fait que j'ai toute ma vie? Je sais pas c'est quoi qui tombe. Quel bordel. Merde. Ah je l'ai eu le haut. J'étais sur le haut. Putain il était rapide hein, par contre ce niveau quoi. À la tête du cheval. Eh c'était pas mal hein, cette phase. Bon, au moins il y a quelque chose de nouveau quoi. Ah bah elle c'est une amie elle normalement. C'est Ashantae de... Clockwork Knight. Mais c'est pas un boss quoi. Parce que normalement t'as deux stages et un boss ensuite. Ça ressemble à un boss. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est comme dans le premier hein, t'as quatre mondes découpés en trois stages, enfin deux stages, c'est là. Deux stages et un boss après quoi. Je pense que c'est le micro qu'il faut défoncer là. Merde, non, non. Putain, et le soleil, il est un peu flippant au fond, non? Ah, t'es en train de coder du PHP, Tevania? Bah, bon courage. On avait fait un peu là en début d'année là pour mettre à jour le module avec le PHP 8. Pas forcément évident. Putain mais je comprends pas, il me touche jamais en fait. Bizarre ce boss. Merde, ça veut dire quoi ça? Je sais pas, il fait le show là mais... Il a pas l'air dangereux quoi, au final. Un bon spot là? Ah, je sais pas. Je crois qu'il faut que je fasse la corde à sauter, mais. Je préférais bourriner. Ok, bah c'est bon. Première année de programmation, je sais pas pourquoi mon formulaire s'envoie deux fois sur trois. Ah, ouais, en plus c'est aléatoire. Bah, bon courage. Attention. Et hop, je remets le gain.
bizarre cette vidéo. Ok, la roulette. Ok, donc commençons. Je peux donc parier jusqu'à 10, 15. Ah oui, c'est des pièces. Enfin, ça ressemble à des capsules. On va se mettre... ouais, on va faire 10. Donc là, faut regarder les boîtes et suivre un item qui nous intéresse, quoi. Donc le rouge, il est au centre. Alors, c'est chaud à suivre. Ouais, merde, non. Je dirais qu'il est là. Eh merde. Bon ouais, c'est le jeu. Là, j'y suis arrivé bien sur le premier. On va refaire. Faire du 10. Que j'arrive à choper le même le rouge. Ok, le rouge il est là. Je suis pas sûr de suivre le bon, putain, j'hésite entre deux là. Ah, fait chier. Je dirais que c'est celui-là, mais ça peut être celui-là aussi. Ah, merde. Bon, ça c'est une vie. Est-ce que je garde la vie ou... Ouais, non, j'y crois. Et là, je peux parier que 5. Ah merde, non, d'accord. x2. Ah, y'a que des x2 là. On fout un peu, quoi. Ok. On verra bien. Je dirais que celui-ci. On va dire que c'est bon. Pour l'instant, j'ai gardé mes pièces, parce que 5, je pense qu'on va avoir que de la merde. On n'aura pas de casque rouge. Que c'est pas grave. Bon, voilà, on aura gagné 2 vies. Ah, on va être dans une bibliothèque, j'ai l'impression. Là, on change... d'environnement là, vraiment. Parce que le premier, bon, ça ressemblait quand même pas mal. Ça ressemblait pas mal à ce qu'on a vu dans le premier Clockwork. Là, par contre, ça me dit rien. Putain, c'est. Ah, elle fait. Hein. Alors, on pourrait. J'ai l'impression qu'on peut aller au fond. Attends, mais. C'est quoi là ? On peut y aller ? Ah oui ! Excellent. Alors, attends. Peut-être en prenant appui là. Hop ! Yes. Est-ce qu'on changeait de plan dans... Je sais pas si vous vous en rappelez, dans le premier Clockwork. Moi ça me dit pas grand chose. J'ai l'impression que ça c'est dans celui-là qu'on voit ce phénomène, si on peut dire. Une carte à jouer en dessous, je sais pas comment y aller. Ouais, t'as pas de souvenir non plus, ouais, je sais pas. Ça me dit rien. Par contre, je sais pas comment... Attends, on peut descendre d'un étage ? Comment faire d'attaque plongée? Se trouve il y a un truc qui me manque là. Non, je sais pas comment on y va là. À moins que lui il passe à travers, j'en sais rien. Ouais, je sais pas, curieux. Il y a peut-être un truc qui me manque. Oh putain. Dès que je suis dehors en ce moment, je cata assez mal. Ah bah, ah oui, tu regardes dehors. J'imagine que ça doit... Ça doit pas être évident. Là, pas de soucis, hein. Je cours. Alors, pour activer une carte, de ce que j'ai compris, là, t'es obligé de courir dehors. Attends, je vais tenter un truc, là, mais... Ça va, donc là, je vais revenir sur le plan en avant. Là, ça se trouve, si je retourne à gauche, juste pour voir. Peut-être un canon pour me projeter sous les marches, là. C'est quoi ça, générateur de clowns ? C'est quoi ça ? Des fusées ? C'est plus à gauche encore. Il saute.
Ah non, mais j'ai défoncé l'ennemi qui était au fond. Je sais qu'il y a des clés, je crois, qui permettent de... Attends, ça se trouve, faut les shooter, ça va ouvrir. Ah, voilà. C'est que ça marche. Attends, je vais aller TP au fond. Je sais qu'il y a des clés, je crois que c'est les clés argentées qui permettent de gagner un point de vie permanent. Enfin, permanent. Jusqu'à la mort, quoi. Merde. Voilà. Ah oui, non, ça faut que je l'active en courant. Hop. En fait, je sais pas trop s'il y a vraiment toutes les cartes là, parce que là, je me tape que les as. Peut-être que ça marche autrement. Putain, en fait, il peut pas attaquer en courant. Ouais, c'est pas mal hein, le coup là de changer de plan comme ça. Les ennemis à envoyer sur le plan en arrière aussi. Faut bien trouver ça. Alors, peut-être éviter quand même. Là pour l'instant ça va, mais il faudra peut-être pas péter les plateformes. Je sais pas. Donc là j'aimerais bien. Pas pousser là. Ah, oh merde. Oh le con. Ah oh putain, c'était une clé grise. Alors peut-être que les grises, ça donne plutôt toute la vie. Putain, comment je fais là? Je peux pas tirer le truc là. Ah si, on peut, putain. Il est abruti. C'est pas grave. Pas mal de choses sympas là. Putain, merci. C'est quoi le truc là? Serrure là? Non, il y a pas de serrure. Viens vers moi. Putain, il va tout le temps à droite. Il revient pas, merde, dommage. Je vais me le prendre. C'est pas... On va y aller. Ça donne... Oh, j'ai eu peur là. Non. Bon. Le fail. Je voulais courir, mais c'est vrai que c'est deux fois en avant et non... Ah putain, et non l'attaque. Par contre, il a un peu de mal quand il court à se remettre en attaque. En fait, c'était comme ça pour les avoir. Enfin, je l'ai fait façon avec la course. On pouvait faire ainsi. Du coup, je recommence le niveau là. Bon, je vais aller un peu plus vite. J'ai regagné une vie là. Là, j'ai bien anticipé là. Putain. Faut pas que j'aille trop vite non plus quoi. Ah, par contre, le son de l'alerte est vachement fort. Là, par contre, je suis désolé. Hein. Et le son du jeu est tellement bas, je peux pas faire mieux en fait. En tout cas, merci beaucoup Winyard, salut à toi. Salut à toi et merci beaucoup pour les subs. Tu vas bien. On a un petit point de vie là. Hop. On est sur ce fameux deuxième épisode de Clockwork. Putain, sympa. Il y a quelques bonnes idées, hein. Je pensais que ça allait être un bête copier-coller du premier. Niveau gameplay, tout ça. Et en fait, non, non, il y a quelques trucs nouveaux. Après, bon, c'est clairement un DLC du premier. Hein. De toute façon. C'est sorti 6 mois après. Ça fait suite directe. Mais bon, c'est agréable. Je profite quand même là de retourner à ces endroits là. Pour choper les pièces. Ok, c'est bon. On se casse. Tous les tuer non plus. Ah ouais? Attends, mais la Saturn Mini, même ça,
Attends, vu comme tu dis ça comme ça, ça me dit rien en fait. Il y a une Saturn Mini qui va sortir. J'ai raté l'info ou j'ai oublié? Putain, c'est récent ça comme info, non? Attends, c'est là. C'est là qu'il y avait fallu faire gaffe là. Ok. Allez merde, donc ça. Ah, alors soit ça remet toute la vie, soit ça rajoute un carré de vie si on était à fond. Je sais plus comment ça marche. En tout cas, ce serait cool hein, s'il y a. Putain, j'ai encore oublié ça aussi. C'est une Saturn Mini. Quand même que c'est une console qui est un peu chiante à. Sympa ça. À émuler. Enfin, ça tombe bien. Putain, mais. Encore me faire avoir au même endroit là. Il est quand même pas super souple hein, par moment le perso. Ah oui, d'accord, c'est le générateur là. Putain, l'enfer. Je cours là. Aller à droite. J'aimerais bien retrouver de la vie. Ah yes, ça c'est cool. J'essaie de le faire comme il faut. C'est quoi? C'est le L là? Ok. En fait, ça envoie pas du tout le tremplin. Ah, il y a 4 cartes par. 4 cartes par niveau, j'ai l'impression. Alors, Sega qui a demandé aux joueurs japonais, je crois uniquement, quelle prochaine machine ils aimeraient voir en mini. Rêver première. La Dreamcast 102. Ok. Ah bah c'est cool. Ça c'est une bonne nouvelle ça. C'est normal qu'il n'y ait pas de son là. Attendez. Il y a un truc qui va pas là. Pourquoi il n'y a pas de son? C'est quoi ce bordel? Comment ça marche? Attendez, je vais me laisser crever. Laisser crever, on va voir si ça reset. Ah, y a aucun moyen de crever là facilement. Visiblement non. Putain, et ça marche comment là? Faut le pousser le truc. Allez, hop. Attendez, non mais c'est pas normal ça. Mais y a vraiment aucun son quoi. Ça reprend pas, merde. Alors comment je vais faire là, du coup? Ah putain, c'est quoi ce bug à la con là? Ok, bon, bug d'émulation, comment je peux faire? Parce que là, si je reset, je perds ma progression. Bon, bah ok. Bah, sinon j'ai un truc, j'ai un code pour choisir son niveau, je vais faire ça. Mais là, je suis obligé de reset. Hein. Bon, je vais faire ça en cas où. Sinon on n'a pas de son. C'est bien les émulations, vivement un Saturn Mini hein. Ah oui putain. Attends, je mets ça parce que ça va vous péter les oreilles. Je fais une safe state hein, sur le niveau où ça a déconné. Donc c'est ici, je fais droite, haut, gauche, haut, droite, haut, bas, haut, gauche, haut, gauche, haut. Ok. Je suis à study. Voilà, ça serait pas mal. C'est bon? Attendez, juste 2 secondes, là. Du coup, je vais perdre mes vies, c'est con, mais... Et là, est-ce que c'est bon? Putain, c'est hyper silencieux, c'est bizarre. On a l'air bon, là. Ok. Je remets le gain, voilà. Voilà, là c'est bon. Je suis avec Chronos. L'autre, ça marche moyen chez moi, je sais pas. Ça se lance pas. Ou alors ça déconne. Chronos, ça a toujours bien marché. J'avais essayé ce que tu m'avais conseillé, là, Wignard. Mais ça veut pas le faire tourner non plus. Enfin, je sais pas, je dois... J'ai pas envie de me prendre la tête non plus. J'avais essayé vite fait, et puis je voyais que ça...
ça voulait pas. J'ai... Pour le moment, j'ai laissé tomber. Chronos, ça tourne bien, mais bon, voilà. On se tape des bugs un peu bizarres. Par moment, quoi. Le coup du son, c'était bizarre, quand même. Pour l'instant, on n'a pas eu de bug de vidéo, là, qui... avec l'effet disque rayé. Ça viendra peut-être, hein, mais... C'était le bug du premier, hein, qui était, c'était assez infect d'ailleurs à la fin. Je crois que j'avais courté la fin tellement c'était insupportable. Voilà. Là, heureusement que j'ai eu le code pour choisir son niveau, parce que sinon j'aurais été emmerdé, quoi. Voilà, j'ai plus mes 10 vies, mais bon. Ah putain, il y a une clé en or là-haut. À la clé en or, c'est ça, je crois qu'il rajoute un carré de vie. Yes. Ça, c'est bien. Donc c'est bon, de toute façon, s'il y a un niveau où il n'y a pas de musique, bah, je referai le petit code, hein, c'est vite fait. Ou alors, je fais une save state avant de finir un niveau. Comme ça, je recharge, s'il n'y a pas de musique, on relance... Jusqu'à ce que ça se débloque, j'en sais rien, bref. On va se démerder. Hein. Ça se tire pas apparemment. J'ai cru voir un truc, ouais, c'était ça. Ah, je suis dans un bonus stage. Plein de livres partout. Bizarre. Oh, ça, c'est une vie, ça. Putain, ah, c'était possible en fait. Je crois que c'était trop haut, ça. Ouais, c'est dommage pour les vies, mais bon. J'espère que je vais pas trop crever, quoi, maintenant. On verra, hein, ça. Pire, j'avance avec les save states, hein, puis voilà. Faire chier, putain, franchement, je sais pas comment j'ai fait le saut tout à l'heure, là. Là, j'y arrive plus. Ah, mais si, on peut ouvrir les livres. Parce que je m'y prenais mal. Ah, putain, le con. J'ai cru que j'allais être coincé, là. J'ai eu peur. Oh. Il hit. Le con, je pensais pas que j'allais passer à travers. J'imagine que c'est normal que ça soit sombre, hein. C'est pas encore un bug. Sinon j'aurais tout eu, quoi. Alors, je pense que c'est voulu parce que... Putain, mais ça j'avais... Quoi cette musique? Ah ouais, non, c'était voulu parce que je voyais surtout la barre de vie. C'était encore bien... C'était pas sombre, quoi. C'est quoi ce bordel? C'est sa meilleure arme, ça. Ah, j'ai peut-être fait le con, là, ouais. C'est bizarre, cette musique, là. J'ai une petite musique, là. Petit jingle, là. C'est lui. Putain, merde. Ça se trouve, fallait. Je sais pas si le briquet revient. Mais ça se one shot. Non. Oh putain, et ça c'est direct. Ah, puis là, je reprends du début là. Ah ouais, là c'est sévère ça. Oh, j'ai gagné 2 vies. J'ai l'impression qu'il y a le même système que Mario où il t'enchaîne
plein de monstres à la suite, ça... Ça fait des points et puis ça fait des vies à la fin. Putain. Pourtant il y avait le son de, du coup. Et il l'a pas fait. Je vais faire gaffe. Je vais éviter là, le petit passage secret là. Ouais, celui qui est là, je crois. C'est bizarre. C'était là, mais il n'y avait pas de plateforme avant. Si. Il n'y a rien, c'est plateforme. Enfin bref, c'est bizarre. Ah mais je suis peut-être obligé de le prendre parce que là je... Ah non. Non d'accord, parce qu'il y a un autre chemin là. Ça ramène au même endroit alors. Ouais c'est le même endroit, c'est bizarre. Ok. Bon bah du coup je vais essayer de faire gaffe avec le briquet. Putain j'ai encore... Ah il y a cette musique quand on le voit en fait. Je vois rien. Yes. Ok. Je pense que ça va me donner un bonus. Ou alors il y en a plusieurs. Attention à ça là. Ça s'écroule. C'est fou qui me font peur en fait. Non. Non. Oh non, le briquet a disparu. Ah non, c'est bon. J'avance doucement, parce que je sais pas s'il y a un ennemi. Ok, il y a des œufs. Ok, non, bizarre. Le R. Est-ce que je peux sauter sans ce tremplin là? Ah ouais, non, tu peux pas. Bien son animation. Merde. C'est bon, il y a encore de la musique, j'enregistre. Il y a de la musique. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce boss? Tapis rouge. C'est un pattern spécifique. C'est quoi, c'est un gorille? Putain, la caméra qui se barre. Non, il m'a chopé. Putain. Ah, quand il fait le fier, faut y aller quoi. Faut pas se faire choper par contre. Je sais pas s'il faut l'envoyer bouler au fond d'une certaine façon. Là. Non, ça marche pas. Les trois couleurs. Quoi, c'est un tigre ça? Putain, la gueule du tigre quoi. Merde. Oh, putain, bah oui. Énorme. Comme il s'est éclaté la gueule quoi. Ouais, là,
C'est moi qui ai merdé. Ouais, on va se faire les trois faces. Ce serait quoi le bleu alors? Un dauphin, ouais. Allez, c'est bon. Le tigre, alors. J'apprenne à sauter. Faut laisser appuyer longtemps sur le saut, hein, pour planer un peu. Pas faut le bon timing quoi. J'adore comment il s'éclate la gueule sur les bougies. Ah putain, il démarre direct. Oh, il m'a fait perdre 2 vies. Ah putain, j'arrive pas à me retourner. C'est abusé, j'ai perdu 2 points de vie. Ah, d'accord, ah, merci la caméra. Hein. La caméra qui se barre au moment où il charge. C'était très sympa ça. Bon, bah on va se retaper le singe. Ah, ça va être bien, puisqu'en plus, je connais pas la suite. Il m'a pas compté, lui. Je suis trop gourmand non plus. Allez, c'est bon. Bon, je vais rester assez proche pour pas que la caméra se barre quoi. Putain, ça m'a l'air tendu quand même. Putain, mais il démarre direct quoi. Quoi? C'est quoi cette caméra qui part dans tous les sens, quoi? Oh là là, ça a l'air super relou, en fait. Ah, oh, ça va être relou, ouais. Je sens que... Je vais pas avoir la force, là, mais... Je vais y aller à coup de safe state entre chaque forme. Ah, putain, voilà, bah, un de moins, déjà. Ah là là. Putain. Mais bon, laisse tomber, crève. Ouais, ça va pas être simple. Tigre là qui prévient pas quand il charge, enfin c'est assez bizarre et... Alors le truc en diagonale, j'ai rien pigé à ce qu'il a fait là, tout à l'heure. Oh mais non, on s'en deck. Ah mais chelou la caméra quoi. Pourquoi elle se barre comme ça quoi? Ok. Bon bah c'est parti pour faire de la merde apparemment. Allez, je vais quand même voir un peu le tigre. Un petit saut avant de courir. Oh mais c'est tellement lent, c'est tellement lent.
Ouais, bon, bah, save state entre chaque forme, c'est bon. Le jeu m'a déjà saoulé. J'ai plus de patience. Se retaper ça à chaque fois. Retourne-toi, merci. Putain, non mais... vraiment un peu rigide quand même le perso. Oh, ça me saoule. Ça me gonfle. Greedy, sinon deux coups, puis je recule. Ah ouais, alors c'est là, faut que je comprenne. Je saute là, je sais pas, la caméra qui part en couille totale. Où est la bonne idée là? C'est marrant, je crois qu'on voit le boss de fin là au fond. De composant électronique, hein, c'était lui ça. Quand même. Ok, je savais pas ça. Bon, essayez cette tête là, je suis à fond. Donc là, je vais refaire la même technique hein, de coup. Bon, quand il vient en diagonale, je sais pas ça. Par contre. C'est abusé, c'est trop précis là leur saut. Si je me fous là. Ça, pour rien. La caméra, elle est où? Ah. Ok, bon bah je recharge. Alors ça va 2 secondes. Hein. Temps qu'il décolle. En fait, faut que j'appuie une heure avant, quoi. Putain, puis il fait 50 km de longueur aussi. Bizarre, quand même. Avance. Bon, bah, je vais galérer là ce soir. Apparemment. Ouais, j'y arrive pas. Je sais pas, je comprends. Ok. Pas la peine. Salut Kuja. Comment tu vas? Ça, c'est un bon boss de merde, ça. Je sais pas à quel moment faut sauter. Ça passe, mais j'ai l'impression limite à chaque fois. Mais pourquoi ça prend pas? On va arriver à faire du safe state à chaque coup, j'ai l'impression. Ok, d'accord.
J'avais lâché pourtant le double en avant et il a continué à courir. Oh là là, c'est une plaie, hein. C'est une plaie quoi. Oh, il a... Ok, mais c'est une enchaîne directe. Oh, il est horrible ce boss. Hein. Avec ses... oh, putain, ok, merci la caméra. Alors, faut se mettre où là? Ici? T'as pas le temps de réagir en fait. Le perso est vraiment trop mou quoi, pour ce genre de phase quoi. Clair que c'est chaud. Ouais, non, mais l'idée est sympa, là, le coup du tapis, ouais, qui se transforme en différents animaux. Et là, faut trop anticiper à l'avance, quoi. Oh putain, je pensais même pas que je passais, là. Ça passe. Je vois que ça frôle hein, le tigre. Hein. Ouais, là, tu vois, là, je pouvais pas faire autrement là. Avance. Ok, on laisse tomber. Enfin, dire qu'il fallait se faire le gorille avant. Enfin, putain. Ils ont fait un peu nimp là sur ce boss là. Tu dis, il faut en tout cas pas 6 coups quoi. Enfin, c'est 6 coups fois 3 quoi, fois 2 plutôt. Bon, bah là c'est la surprise. Tiens, je vais en faire une là. J'ai envie de refaire le tir. C'est quoi là? Une chauve-souris. Ouais, c'était pas le dauphin, dommage. Qu'est-ce que ça va être ça? Les boules de pique, la caméra, je vois pas. Piège à con. Y'a rien de temps. Bon bah ok. Non, je suis pas allé le voir encore. Enfin, je sais pas si j'irai le voir. Mais il a l'air vraiment cool quoi. Et la caméra qui. Vraiment qui sait pas ce qu'elle fait quoi. Il est. Il sait que ça va. Hein. Ok, donc je l'attaque au moment où il pose. Enfin, ça va être chaud. Hein. Comment je vais faire? Là. Ah! Allez, flambe! Attention, vidéo. Oui, ça tient les vidéos. C'est assez fluide là. Salut Ganouch, comment tu vas? Et salut Fire Mario, merci pour le GG Dark Steph, même si bon, c'était pas ultra méritant. Mais ça me saoulait de refaire le gorille à chaque fois. Et tiens, on va se faire ça. Putain, il va être chaud à suivre. J'ai envie de tenter celui-là. Une vie. C'est pas le rouge. Donc j'étais complètement à côté. C'est un petit x2 quand même.
x2 était là, donc soit il y en a un là, soit là. Je vais essayer celui-là. Soit je vais là. Allez. Ah merde, ça déconne pour toi, Farah Mario. Ouais, c'est chiant. Pas de soucis, Kuja. Pas de soucis, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est en lurk. Je pense que beaucoup de monde n'est pas forcément dispo avec le week-end de Pâques. Putain, là, je sais pas trop. Hein. Je vais essayer celui qui est là. Mais j'ai peu de... J'ai des doutes. J'aurais pas dû... À quoi en fait, parce que j'ai pas vu de différence. Enfin si, il y avait plus de bonus en fait. Moins de clown, j'ai envie de dire. Bon, de toute façon là c'est pas le plus passionnant à voir aussi. Hein. Faut que j'arrive à me refaire un petit stock quand même. Au fond. Salut la globule! Comment tu vas? Oh, putain. Que de la merde là ce que je fais. Attends, j'aimerais bien avoir un rouge quand même. J'ai l'impression que ça tombe plus vite que sur le premier, quoi. Parce que j'y arrivais bien sur le premier. Putain, je vais suivre celui qui est tout à droite. Ok. Bon, je suis vraiment à chier. C'est génial, il va me rester deux vies, j'ai aucun continu. Bon, on fera du stage select, hein, au pire. Ça va se finir comme ça. Hein. Alors qu'il y a un clown de plus. Ça, oui, ça tombe plus vite, j'ai l'impression. Bon, bah, à chier sur ce bonus stage. C'est bon. J'ai rien gagné, c'est génial. Viewpoint ? Ah le... Putain. Oui, oui. Non. J'ai déjà essayé Viewpoint. C'est trop l'enfer pour moi. Merde, attends, comment ils sont là ? C'est trop bas ou trop fort ? Non, c'est bon là. Ouais, non, c'est bon. Putain, on est où là ? Ah, dans la salle de bain. Putain, c'est bien fait. Hein. Putain, là, va falloir que je trouve des vies par contre. Ok, bon bah, info retenue. Je savais pas que ça faisait mal. Ça tue les ennemis, hein, heureusement. Attends, je peux aller dessus ou pas là? Toi ça? Ouais, ça monte pas. Ah, génial. Bon bah. Ah, je. La clé. Putain, je comprends rien, c'est quoi ce truc? Ah, viewpoint, c'est joli tout ça, mais c'est. Faut être un pro, hein. Enfin, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Il n'y a plus d'eau là. Attends, l'eau il va jusqu'où là? Ça va pas là? C'était quoi ce rebond que j'ai fait? Pourquoi il envoie 10 km le truc?
crevé. Je suis pas très fort, hein. C'est... pas très fort ce soir. Clairement. Ah putain. Je sais pas. Je sens pas à l'aise. Merci. Bien. Excellent. Ah d'accord. Ça marche pas le simple saut. Faut essayer de courir sur une plateforme de 5 mm. Ah d'accord. Donc là, c'est pas du tout arrêté. Ça sent. Oh, ça sent l'échec. Putain, ouais. Ça sent l'échec. Bon, ils ont quand même eu des idées hein, pour ce deuxième opus. Bon, je suis mort là, non? On fait toucher là, non? C'est pas clair, hein, l'histoire de l'eau. Hein. Oh, ça passe des bulles ça. J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est du savon mais en cube? Passer par en dessous, je crois, pour la carte. J'ai envie de tenter. Cours, plus vite. C'est une clé en or là, ce qu'il y a dans l'œuf. Ok, c'est cool. On va falloir que j'assure, hein, c'est ma dernière vie. Ah d'accord, ça n'a pas touché. Les musiques de Viewpoint sont sympas. Ouais, je sais plus ce que c'est comme style. Putain. Pourquoi tu as pas pris? Putain. Ah, j'ai une vie. Faites-moi ça là. C'est une capsule. C'est là que c'est l'enfer parce que putain le saut est juste infâme. Ah putain ouais. Lancer. Pas perdre de temps quoi. Ils en ont foutu un autre. Putain. Gage. Que je vais pas crever par le temps, hein. C'est abusé ça. Il est plus petit lui encore. Hop, ça dégage. Putain, mais je vois rien. Non. Un truc en haut là. Au-dessus là. On peut y aller. Hein. Il y a des bonus en dessous. Il y a plus d'eau ici. C'est le robinet, c'est énorme. Attends. Non, c'est bon, ça tombe toujours là. Putain. Je pense qu'il y a un bon truc là-haut, mais un peu chiant d'accès. Il s'est bien bloqué où il fallait pas courir. Je sais même pas ce qu'il foutait là.
Toi, ça reste ta vie. Hein. Il y a ces trucs à pic dans une baignoire. Hein. C'est... J'avoue que ouais, c'est clair. Un peu abusé, quoi. D'accord, bon, c'est génial. On va continuer parce que ça m'a saoulé. Ça m'a pas fait de vie, ça. Hop. On va voir une face dans l'eau. Putain, on est où? Ah, ok, c'est la fin. Il faudrait que j'arrive à voir ça. C'est chaud, anticiper avec le tremplin. Oh, je l'ai eu. Ben voilà, une vie. Je sais pas ce que ça fait si on a les 4 cartes. Ça rajoute une vie également. Ça serait... Oh non, c'est un niveau avec le... avec le cheval, là. Je sais pas si c'est un cheval, on dirait un âne, plutôt. Oh, ça va être l'enfer. Pas mal. Ah là, je peux peut-être avoir les 4 cartes, mais... Ouais, non, putain, faut aller au fond. Ouais, faut connaître le chemin. C'est quoi, ça? Oh, le requin. J'ai pris un coup. Attends. Oh, je suis où? Hein? J'ai rien pigé. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Sur le saut. Oh putain, ça zoome pas quoi. Je reste en petit. D'accord, donc les baleines, ça fait changer de... Saute. Ça fait changer de plan. On va rester au fond parce que je vois mieux en fait. Merde, ouais, trop tard. Putain. Casse-toi. Ça fait des points si on les évite. On fout. Sur le saut pourtant. Oh, il y avait une vie. Ah oui, ça l'a compté, cool. Qu'est-ce que... Oh. Ok. Un hippocampe, rapport avec l'eau. Ah, trop... Ouais, ça pouvait... On aurait pu dire que c'était un hippocampe, ouais. Bourrico, l'âne de Shrek. Bon, ça s'est bien passé. Là, on va voir le boss, donc je vais peut-être perdre toutes mes vies. Je suis une safe state en cas où. Parce que, comme d'hab, hein, on va peut-être mettre 15 ans pour comprendre, ou alors les phases... Oh putain, d'accord. J'ai l'eau, ça doit one-shot. Très très bien. Putain, les sauts... Horrible. C'est un poulpe. D'accord. J'ai pas vu le truc foncer sur moi là. Oh putain, non mais les sauts sont ignobles. Ah non mais... C'est au pixel quoi le truc. Oh d'accord. Hein? Quoi? D'accord. Attends, mais il est au fond, il est... J'ai pas compris la perspective là. Oh, il est ultra lent notre personnage, c'est un truc de malade.
Ah, tu te fais toucher même si tu sautes, d'accord. C'est intéressant votre jeu. La dernière vie, hein. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Non? D'accord, il l'envoie pas sur moi. C'est marrant que le petit bébé poulpe. C'est un cauchemar à manier, hein, par contre. Oh putain. Ah, c'est pas fini. Merde. T'as 4G, c'est incroyable. Bah bon courage, ouais, Fire Mario, c'est chiant, hein, les problèmes de connexion. Merci d'être passé en tout cas. Et je te souhaite un bon week-end. Hein. Bonne soirée à toi. Bah écoutez, là, je vais peut-être faire... J'ai envie de faire un petit petite save tête et de gagner un continu au moins. Pas de later, s'il te plaît. C'est du shit, mais bon... Il est en haut. C'est pas lui. Après, je vais pas essayer toutes les boîtes quand même, mais. Ok. Donc là, j'ai raté. Attends, j'ai pris lequel? Je sais plus. Merde, je sais plus quand j'ai fait la 6-7. Ok, c'était là. Attends, mais c'est que 3 vies? Mais c'est quoi le continu alors? Oh, je comprends rien. C'était ça pourtant dans l'autre. Donc non. Le rouge, c'est que 3 vies? J'ai joué normalement. Je croyais que c'était le continu. C'est quoi qui fait le continu alors? Le rouge est en haut. Je l'ai perdu. Mais bon, je vais tenter celui-là. Et bon, bah, voilà, c'est un peu plus classique là déjà. Face, ok. C'est tombé, hein, je l'ai paumé. Oh! Très bien ça. Je tente même pas le x2. Celui-là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, je peux rejouer un coup de 10. Et je continuerai. Hein. On a fait quoi? C'est le troisième monde là qu'on a fait, non? Donc. Merde, ah, c'est ça en haut à droite. On est quasiment à la fin du jeu. Hein. Ah merde, j'ai fait quoi? Ah merde, j'ai fait le x2. Ah, ok. Là non plus, je sais pas. Se calmer là. C'est le dernier coup là. Ah ouais, putain, c'est pas mal, c'est encadré de 2 vies. Je veux dire, celui qui est juste en face là.
C'est une vie. C'est bon, allez. On va être tranquille là, je pense. Enfin, tranquille. Si on a un boss final affreux, ou même des niveaux dégueulasses. Donc là, normalement, c'est le dernier monde. C'est pas le décor là. Donc on est dans le grenier là. Je sais pas, il y a des rouages partout, c'est bizarre. Pas très maison ça, moi je suis pas ça, enfin je suis pas dans une maison mais j'ai pas de clocher en général dans les maisons quoi. Bizarre. Qu'est-ce qu'on fout là quoi? Attends mais ça fait quoi ça? Ça change le sens là du... la chose là. Attends, on est dans Castlevania quoi. C'est quoi les petits? Oh putain, faut se baisser pour eux. Ah, y a en dessous là. Oh, putain. D'accord, merci. C'est dans le bon sens. Moi j'en sais rien, ce qui est dans le bon sens ou pas quoi. Mais quoi? Il y avait un trou là? Ok, bon, je vais perdre toutes mes vies. Attendez, au secours. Il n'y a aucun trou là, qu'est-ce que c'est que ce bug là? Ouais, bah ouais. Tant que l'animation s'arrête, tout ça, c'est trop tard. Oh putain, ça, je commence à être fatigué du jeu là. Dans quel sens faut le mettre? Je vois pas l'intérêt là pour l'instant. Par là peut-être. Sans doute ici. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Non. Oh, cette maniabilité quand même. C'est bon là? Je crois. Hein. Je sais pas. Pas clair. Super passage secret ça. Oh putain. Cette accélération qui me fait là. Il n'y a pas d'ennemis là. J'ai pris un coup là ou quoi? Oh putain, eux! Mais c'était horrible, eux, non? Vas-y, je me casse. Je sais plus comment on les bat, eux. Il fallait peut-être sauter derrière eux, ou quelque chose comme ça. Oh, la tour derrière. Pas mal faite. C'est le bienvenu. Je sais pas, je suis peut-être allé à droite. Viens toi. Il y a un petit qui va me faire chier là. Oh putain. Oh, c'est une bonne phase de plateforme, c'est bon. C'est bien passé. En bas. Je sais pas, ça me sert ou pas ça. Oh, ça a l'air dégueulasse. Ça, faut y aller. Oh, je sens que ça va être l'enfer ce truc. Je sais pas où faut aller là.
Attends, c'est... What? Putain, on refait tout? Qu'est-ce qu'il fallait faire, là? Parce que je pouvais pas monter, de toute façon, je vais pas faire le tour de... du truc, quoi. Alors là... Putain... J'ai pas compris l'énigme. Ça me blesse, vraiment. Ouais. Le point de vie, c'est bien, ça vaut le coup. Peut-être garder un œuf pour le ennemi en haut à gauche. De toute façon, les capsules, ça sert plus à rien là. S'en fout, j'ai activé la carte. De toute façon, il y avait rien d'autre. Descends. Attends, je comprends pas la tour. Je vais faire une save state quand on y arrivera. Hein, parce que c'est absolument incompréhensible là, le truc. Putain, laisse tomber pour le truc en bas. Là. Hop, ok, j'enregistre là. Je vais essayer d'activer ce truc là. C'est l'enfer. Ah non, mais faut que je change le sens. Non! Faut que je change le sens de ça là. Si. Je sais pas, putain, c'est pas clair. Si j'arrive à aller dessus, faut que j'aille tout le temps à droite, quoi. C'est ça. Putain, ça va être chaud, ça. Là, comment t'anticipes? Ouais, c'est ça, mais... Comment tu vas anticiper cette merde, là, déjà? Okay, bon, j'ai compris le truc. Putain, ça c'est pour bouffer toutes tes vies, quoi. Faut aller jusqu'où, comme ça. Ok, donc ça va être génial. Moi, j'ai eu un coup de save tête, là. Vraiment, j'en ai plus rien à foutre. Horrible, cette phase, quoi. Putain, redonnez-moi Nebulus, quoi. Putain. C'est plus maniable sur Nebulus. Ah, puis c'est pas long. Enfin, putain, il glisse. Mais c'est ça aussi qui me saoule, c'est qu'il... C'est un peu une savonnette quand même. Hein. Ouais, là, c'est clair, j'aurais cramé toutes les vies ici. Hein. Mais putain, mais il glisse. Je sais pas où faut aller. C'est quoi cette phase de merde? Putain, là, on l'a, notre moment de merde, il est ici. Hein. Enfin, avec le boss... Tigre. Mais voilà, là je sais pas pourquoi il a dashé. Ah oui, mais c'est le deux fois en avant. Bah oui, c'est vrai que. C'est vrai que je suis très fan de ça. Quand tu fais deux fois en avant, il court et donc forcément il fait des sauts plus longs où il glisse. Et vu que c'est une phase où faut être précis, bah t'as pas le droit de te repositionner parce que sinon tu cours. Là
fameuse technique du double avant là. Putain, que je déteste au plus haut point quoi. Bon, c'est chiant. Ça y est, on commence à voir une plateforme là. Putain, j'étais greedy. C'est ignoble. C'est ignoble. Là, j'ai voulu courir, mais non. Ils ont craqué là sur cette fin là. Calme. En plus, faut être vachement à droite. Non, ça s'éloigne et tu peux pas faire ton saut quoi. Putain, il a couru. Oh, ça m'énerve. Putain, on peut pas le désactiver le deux fois en avant là. Je vais foirer mon saut là. Il a réussi à se récupérer quoi. Savoir les trucs, tant mieux. Putain. Ah putain, merci. Hein. Tant pis s'il y a des trucs au-dessus là, mais. Bah, prends. Bah, je peux plus attaquer. Ah d'accord, non, parce que je peux gourer de boutons. Je l'avais pas fait ça. Oh, c'est quoi? En fait, là, c'est. Ouais, ça glisse à mort, hein, on le voit. Là, ça demande d'atterrir là-dessus, là. Putain, mais c'est ignoble. Ils veulent pas qu'on finisse leur jeu, là. Lisse. Calme. Okay. Putain, mais ça glisse, quoi. Je suis où là? Je suis au début? Attends, je suis où là? Oh, c'est immaniable. Putain, c'est immaniable de ouf. Oh, faut que je fasse une save state après cette merde là. Ah, ils ont pété les plombs là sur la fin, je trouve là. Bien que ce soit un jeu. Bien que ce soit un jeu de plateforme, mais le personnage est pas fait pour la plateforme. Clairement. Glisse. Putain, c'est ignoble. Ok. Je suis désolé, hein. Désolé, je m'attendais pas à une phase comme ça. Une phase aussi passionnante. C'est cette là parce que ça dure 5 heures leur truc là. Je suis pas très adroit. Ouais, la musique. C'est vrai que j'entends pas trop quoi. Là j'entends surtout ce son à la con là. Va me voir ce qu'il y a au-dessus là, je suis curieux. Merde, c'est la fin. C'est bon, tant pis. Voilà, c'est bon. Ok. Je glisse tellement en fait. C'est un truc de malade. Moi, je m'en fous des cartes. Putain, j'y allais au pire moment. Ici parce que ça me saoule. Oh putain, ça c'était beau. Un petit
chemin là. J'aurais pas pu avoir si j'étais tombé. Ah bah c'est la fin. Ah putain, ça fait plaisir. Alors le haut. Merde, je suis coincé. Ah merci, putain c'est douloureux. Allez, deuxième stage. Ouais, celui-là j'aurais pas réussi à la loyale, hein. C'est pas... Ouais, ouais d'accord. J'espère que c'est pas un trou. Ah, principe. Bah, c'est quoi? Un shoot'em up vertical à l'envers quoi. Oh, j'ai chopé une clé en or. Ah oui, mais attends. Putain, cette hitbox dégueulasse. Impossible à toucher l'ennemi. Allez, voilà. Oh non. C'est pas nécessaire, ces ennemis-là. Il est mort. Bon, ok. Histoire, ouais, vous pouvez faire tomber. Putain, tombe. Vraiment, quoi. C'est bien fait, là, c'te... Et bons effets, quand même, hein. 3D, là. Quand même lui shooter la tête. Ça veut bien. Casse-toi. Oh. Putain. Ah, ils ont spammé de cet ennemi là qu'on voyait pas depuis le début. Putain, il recule vachement vite en fait. Hein? Oui, il y a des trucs qui me pètent. Je crois que je me suis fait baiser un point de vie là. S'en fout. Ah, il y a les fusées là. Le retour des fusées. J'y étais pas. Ah oh, c'est très bizarre. Je sais pas trop si t'es dessus ou pas. Putain ouais, mais je sais pas. Je sais pas où ils vont atterrir. Là j'ai. C'est mon dernier point de vie là. Sinon ça c'est un troll. Voilà. Rien là. Oh. Oh, j'ai trouvé un wall jump. Attends. Non, je pense pas que ça marche. Putain, d'accord, ça va être précis ça aussi. Ok. Cours. Pas pris. Ok, ça me fait plaisir. Je me sens mieux déjà. C'est bizarre parce qu'il se retourne. Il me voit, enfin c'est pas. C'est clair, non mais. Des trucs un peu chaud quoi.
ça se passe bien là, l'instant. Oh oui. Le R. Ok, c'est bon. Allez, 6 vies pour le boss. Attends, il y a peut-être une cinématique là. Vraiment, c'est le boss de fin là. C'est là. Non, c'est le boss direct. Petit château au fond. Attention, là on voit les sbires. Oh, c'est juste. Non. Bah, pour l'instant, je peux pas les envoyer. Ok, donc c'est des vagues d'ennemis. Je crois qu'il fallait envoyer ça quelque part, mais finalement non. Putain. Château qui prend vie. Oh. Ah, c'est stylé quand même. D'accord, ok. Donc ça, c'est une bonne info. Ah, bah, à savoir. Là, par contre, on se retape la petite vague d'ennemis à chaque fois. Si au moins ça pouvait redonner une vie, ce serait bien. Ok, donc faut shooter les mains, faut qu'il tape au centre pour l'éviter. Ah, c'est pas la même chose. Saute. Putain, il se retourne pas quand je fais gauche, ça m'énerve. Ok, bon, bah, j'ai pas pigé pourquoi j'ai sauté. Mais... Oh, faut se retaper ça vraiment à chaque fois, quoi. Fin de save state une fois qu'on est en haut, parce que on a compris l'intro là. Il a pas l'air compliqué, mais voir comment il évolue quoi. Juste ces petits sbires là quelquefois qui font chier. Hein. Juste avant. J'ai pas compris comment l'ennemi est arrivé sur moi là. Échange là, non? Putain, non. C'est l'autre main. Thank you.
quoi ça? C'est nouveau ça. Quoi? Ça me touche. Voilà. Reviens. Ok. Ok. Ah, c'est la fin. Putain, c'est quand même bizarre comme comme boss de fin, quoi. C'est rigolo, je n'avais jamais vu de vidéo de ce jeu, juste des photos. Oh merde, pardon. Photos dans les magazines de l'époque, ça avait été un gros succès. Ouais, je pense, enfin surtout le premier et le deuxième, je suis pas sûr qu'il soit, il a été beaucoup montré. Ou alors je faisais plus gaffe. Ah mais attends, c'est peut-être pas fini là. On se bat contre un dinosaure maintenant. Merci. C'est pas fini. Où? Comment? Non. Pourquoi je suis tout petit hein? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, faut shooter dans la princesse pour le faire mal? C'est quoi ces conneries? C'est qui lui? Ah non, c'est la tête. Mais il y a un gars qui est dedans? Oula, rien pigé. L'équipe du premier passait tout le temps sur Game One. Ouais, elle le montrait pas mal le premier. Va falloir que je l'apprenne. Putain. Se retourner là avec avec la princesse là. Ok, première phase effectuée. Oh, je pouvais le shooter là. J'ai eu un peu de chance là sur la première phase. Et puis là, je fais de la merde là. Enfin, je sais pas que je fais de la merde, je comprends pas trop. Qu'est-ce qui est touchable, comment il me touche, je comprends pas trop en fait. Ok, ça c'est bon. Il arrive en atterrissant, foutant un coup de queue là, c'est ça? Ouais, ça là. Ah, mais c'est horrible à esquiver là. Pourquoi je te touche pas là? Je savais pas. Et touché là vraiment? Ok, d'accord. Un peu trop d'infos pour moi là, je comprends rien. Ah d'accord, j'ai pris un coup gratuit là. Et ça comment tu l'évites? Non, tu peux pas. Tant que ça se termine quand même. Je sais pas comment on évite ça. Là, un mystère. Ah,
merde, s'il faut courir en avant. Ok, c'est bon. Après, on fait mesure. Ah, il a réussi à se remettre direct. Oh putain. C'est-à-dire que j'ai... Ah merde, j'ai oublié ça. Oh là 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 là, putain. Quoi? Je prends son coup là, vraiment? Oh, il est mort. Mais il est touchable là ou? Je comprends pas en fait là ce truc. J'ai l'impression qu'il faut le laisser passer. Il fait ça et là il... Je l'ai dans le dos. Mais c'est intouchable là son truc sans se faire toucher. Oui c'est bon là. Ah c'est clair, je peux rien faire là quand on flamme autour là comme ça. T'es au fond là. Faut pas qu'il tombe en fait, je pense. Je puisse l'enchaîner. Donc je vais me foutre. Là, il est au fond, ok, je vais me foutre là. Si tu veux bien. Putain, non. Ok. Pas grave. C'est long. Ah, il change de truc. D'accord, bon bah, je savais pas. Aïe aïe aïe. Sens là. Et... Ok, non, ça, c'est quand même le coup gratuit, hein, je trouve. Attends, oui. Il va aller à gauche. Attends. Non, ok, faut que j'aille là. Un coup, j'étais à 2 points de vie. J'ai l'impression que j'ai regagné un point de vie, je sais pas comment. C'est sûr que non. Cours, putain, cette lourdeur. Non, non, putain. En fâche. Ok. Non, je peux encore bouger, j'aime pas ça. Là. Putain, heureusement que, fait... heureusement que tu te faisais pas toucher pendant ça. Parce que j'aurais pété un plomb, quoi. Ouh. Est-ce que c'est bon, là? Ah, merci bien.
Putain, j'ai cru qu'il y avait un autre boss, ou alors c'en est un. Non, c'est le grand-père. C'est une famille, quoi. C'est passé, je me souviens que j'ai été pris par un pouvoir diabolique, enfin contrôlé par un pouvoir diabolique. Est-ce qu'on a sauvé Chelsea? Winder, comment ça? Faut utiliser la clé pour la réveiller? J'ai pas eu le temps de lire la deuxième phrase. C'est ça qui va permettre de casser donc une malédiction. Ah, c'est le frère de Chelsea, là, le... celui-là? Bon, en tout cas, ils ont réussi. Et j'ai pas pu utiliser la clé sur la princesse. Je vois qu'un endroit pour ça, mais bon, ça me paraît bizarre. Voilà, crédit de fin là, enfin crédit de fin. Il présente un peu tous les. Tout le bestiaire. C'est quand même super bien fait quoi. Pour l'époque, c'était quand même cool. Hein. Je kiffe les cinématiques type 3D Studio qui n'utilisent pas le moteur du jeu. Ouais. Ils ont dû passer du temps pour faire tout ça quand même. Enfin, vraiment pour l'époque. Cool. Bazur. Ah merde, putain, il y avait. Je sais pas ce que c'était. Ah, salut Lyra. T'arrives à la fin là, du premier jeu, là, Clockwork Knight 2. Qui a été compliqué hein, quand même. Enfin, certains passages seulement. Il y a eu un boss là avec celui qui se change là, en animaux qui a été un peu casse-couille. Le dernier stage qui était typé plateforme et qui était assez horrible. Voilà, il nous présente un peu tous les persos là. C'est à la fin. Et voilà. Puis bon, bah le boss final également. Bon, après j'avais plus trop de patience. Je faisais une save state par endroit. Parce que fallait tous retaper depuis le début et t'as des phases un peu longues. Enfin, inutilement longues. Barreau, il s'appelle lui. Donc c'est bien un âne. Oh, c'était marrant les stages avec le Barreau. Oui, par contre, ça doit être le... Ouais, c'est peut-être la monture du deuxième joueur, ça. Ils ont fait une sacrée cinématique, quand même. Donc voilà, Chelsea, hein. Elle réveille tout le monde avec son chant. Tongara, Peperuccio. Peperuccio le The Third. Ah putain, carrément. Et là, ça fait une bonne fin, là. C'est vrai qu'on était un petit peu... je sais pas, quand on a vu la première fin, enfin sur le premier jeu, c'est pas vraiment une fin. Là, on sent vraiment que on a fini l'aventure, quoi, enfin l'histoire. Oh, c'est bien cool. Bon, je l'ai bien aimé, mais quand même, à choisir entre les deux, je préfère le premier, quand même. C'est un peu plus équilibré. Certaines choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il y a juste un cadre. Il y a des crédits, normalement, qui défilent, là. c'est bizarre. Ah non, d'accord, c'est que ça mettait 15 ans. Ok, donc là, c'est vraiment les crédits de fin. Mais ouais, je l'ai quand même assez bien aimé. Il y a eu de bonnes idées, hein. C'était pas juste des niveaux en plus avec exactement le même gameplay que le premier. Il y a eu des idées surtout sur les changements de plans, ça j'ai trouvé ça quand même assez classe.
Je pense que pour l'époque, c'était pas mal ça, les changements de plan de ce style. Puis des idées, bon, hein, parfois à la con, hein, l'eau qui monte dans la baignoire ou des choses comme ça, qui rendaient le jeu plus difficile. Et surtout que, bon, quand même, hein, la maniabilité du personnage, c'est pas des plus optiques, je trouve. Hein. Surtout sur le dernier niveau, ça se sentait bien. Hein. Le fameux double en avant, là, comme je dis souvent dans certains jeux, qui m'a bien. Ça m'a bien fait rager. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même un très bon épisode. Assez soigné, tout ce qu'il faut. Plutôt cool, quoi. Clock Tower, stage 2. Ah, mais là, on était en train de voir. J'ai pas fait gaffe. En fait, c'est pas les crédits de fin, c'est... On nous présente chaque stage, là. J'ai pas fait gaffe. Ouais, ça, c'est le boss final. Bah bien joué Lyra pour Shadow of the Tomb Raider. Alors, je peux comprendre que tu n'avais pas trop aimé celui-ci. Moi j'avais beaucoup aimé le Shadow of the Tomb Raider. Celui que j'ai pas aimé c'était le second là. Normalement c'est Rise of Tomb Raider je crois. Celui qui se passe dans la neige, celui-là. Mais à moitié plus. Je préférais le premier quoi sur le coup. Et Shadow m'a... Par contre j'avais peur qu'il me déçoive également mais il m'avait plu quoi. Ouais, alors l'histoire, ouais, j'avoue que ça part un peu en couille. C'est un peu tiré par les cheveux, tout ça, mais quand même, le côté jungle, tout ça, franchement, côté aventure est bien. T'as pas aimé quand Lara, elle sort de l'eau et qu'elle devient Dark Lara, quoi. T'as peut-être pas aimé cette scène. Lara immortelle. Puis le tracté. D'ailleurs, ils en prévoient plus là, de Tomb Raider, non? Ça fait longtemps que. C'est terminé cette licence ou c'est en cours ou c'est juste que je suis passé à côté? Ah, il y a eu une annonce, tiens, tu vois, je l'avais pas percuté alors. C'est Amazon qui finance. Ah ouais, ah ouais, ça me dit rien du tout quoi. Bon bah tant mieux. On va voir comment ça évolue. Bon, petite chose sympa pour revenir sur Clockwork Knight 2. Enfin, revenir sur l'émulateur surtout. C'est que là ça tourne bien là. Il n'y a pas eu de saut de son ou quoi que ce soit. Le seul souci qu'on a eu, c'est... C'est sur le son, mais c'est qu'il n'y en avait plus du tout à un moment donné. J'ai juste eu ça comme bug, mais sinon le reste ça tournait bien quoi. Bah de rien Darstev, merci d'avoir été là. Bonne nuit à toi et puis à une prochaine. Petit saut de son là, mais c'était pas grand chose. Bon, je vais peut-être me taper une correspondance là sur YouTube avec cette musique. Pas bien grave, je sais pas, on verra bien. Tant que c'est pas un strike. Pour l'instant, je peux rien faire. Attendre que la musique s'arrête, puis voir si ça débloque un truc ou pas. Parfois, il y a des petites choses qui se débloquent quand t'as fini le jeu. Okay, donc ça c'est différents mondes. Oh bah, merci beaucoup Spider Saturn. 5 subs. Là, tu me régales, hein. Merci beaucoup encore. J'ai chopé 10 cartes. Donc t'as 8. T'as 32 cartes à choper alors. 4 mondes, 8 cartes, ouais, c'est ça. Bon bah, peut-être que ça fait quelque chose. Et voilà, c'est fini. Non, on l'avait pas le petit Sega là au début. Ah ouais, ça a commencé direct là. Bon bah écoutez, on va passer vite fait sur la pause.